Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo dédiée au full body. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet? Eh bien premièrement parce que vous avez été très nombreux à me demander de traiter le full body. Et deuxième raison, je reçois beaucoup de messages de débutants notamment qui me soumettent leur plan d'entraînement. Plan d'entraînement généralement constitué de 4, 5, voire 6 séances. Ouais, je l'ai vu, 6 séances par semaine. Les amis, en tant que débutant, j'ai envie de vous dire que vous êtes totalement dans le faux. Vous ne progresserez jamais en tant que débutant avec ce type de séance. Donc voilà encore, voilà pourquoi, la deuxième raison pour laquelle je traite ce sujet aujourd'hui. Donc qu'est-ce que le full body? Le full body, c'est une séance durant laquelle nous allons solliciter tous les muscles du corps à raison de 2 à 3 fois par semaine. Les exercices utilisés seront principalement polyarticulaires de base, comprenez par là, qui vont faire intervenir plusieurs articulations, de ce fait, mobiliser beaucoup plus de muscles. Cette vidéo sera constituée de 2 parties. La première, nous allons voir le full body pour qui, à qui il s'adresse, qui peut en tirer bénéfice et pourquoi, les avantages que l'on peut également en retirer. Et en deuxième partie, les amis, je vais vous donner un exemple de full body. C'est le full body généralement que je préconise à mes clients débutants en musculation. En aucun cas, c'est le full body parfait, mais c'est déjà un très très bon programme pour débutants et pour autres, nous allons le voir par la suite, qui donnera les effets escomptés. Le programme en question sera affiché, sera écrit en lien de description de la vidéo. Écoutez, sans plus attendre, on commence de suite avec le full body, pour qui et pourquoi. A tout de suite. De retour pour cette première partie, alors le full body, pour qui et pourquoi? Alors, il s'adresse à qui le full body? Eh bien principalement les amis, les débutants, comme je l'ai dit déjà au préalable, le full body est à mon sens, à mon humble avis, le meilleur programme pour débutants pour progresser. D'accord? Pourquoi? Plusieurs raisons. Un débutant va surtout être réactif en termes de progrès à la fréquence de sollicitation des groupes musculaires. Lié bien sûr à un faible volume d'entraînement, je m'explique. Vous progresserez plus en tant que débutant en sollicitant par exemple 3 fois les pectoraux dans la semaine avec un faible volume de travail qu'au lieu de les faire une fois ou 2 fois par semaine avec un volume plus grand. Ça a l'avantage de solliciter, le fait de solliciter plusieurs fois par semaine va multiplier les stimulations anaboliques. Donc, premier point, la fréquence de sollicitation des groupes musculaires. Deuxième point, le faible volume de séance, vous ne vous entraînerez au maximum que 3 fois par semaine, ce qui laisse un maximum de temps pour vous reposer. Et j'insiste là-dessus les amis, gardez bien en tête que vous grossissez, vous progressez à l'extérieur de la salle. En aucun cas, vous ne grossissez pendant l'entraînement. Donc, essayez vraiment de comprendre ce concept. Moi, il m'a fallu pas loin de 10 ans avant de le comprendre. Donc, gagnez du temps aujourd'hui. Commencer sur des bases solides. Donc, l'avantage du full body, plein de temps pour se reposer. Gardez en tête, lorsque vous n'êtes pas à la salle, dites-vous, je suis en train de grossir. Troisième avantage, le full body, c'est une séance, comme l'on vit, comme je vous l'ai dit, qui est constituée d'exercices polyarticulaires de base. Donc, les exercices polyarticulaires sont des exercices qui mobilisent un maximum de muscles, non seulement le muscle sollicité, par exemple, le développé couché va solliciter principalement les pectoraux, soit, mais le deltoïde antérieur, donc les épaules, les triceps, les dentelés, un maximum de muscles. Sachez que plus il y a de muscles mobilisés, plus la sécrétion d'hormones est grande. Plus il y a de sécrétion d'hormones, plus l'anabolisme est grand, plus il y a de masse musculaire. Donc voilà, quatrième avantage, les exercices, encore une fois, les exercices polyarticulaires, vous allez les faire 3 fois par semaine. Ce qui veut dire que vous allez avoir un apprentissage correct, le corps va vraiment s'imprégner de cette technique pour que ça devienne par la suite une seconde nature. Vous verrez, par la suite, vous aurez un bon schéma corporel, donc c'est vraiment important. Cette récurrence de pratique d'exercices polyarticulaires est la base de la base dans notre sport. Gardez en tête et souvenez-vous, pour bien courir, il faut déjà apprendre à bien marcher. Donc voilà, autre avantage. Les exercices polyarticulaires sont des exercices où l'on peut mettre beaucoup plus de charge, on peut manipuler beaucoup plus de charge
que sur des exercices d'isolation. Qui dit plus de charge dit potentialisation de prise de force, qui dit potentialisation de prise de force est égal à gain de masse musculaire. Donc voilà les amis, hein, encore une fois, pour les débutants, le full body, c'est que du bonheur. Ensuite, pour qui il s'adresse, l'herb gainer. Vous avez du mal à prendre du poids, vous êtes ectomorphe, vous avez beau manger, je vais dire un chiffre au hasard, 4000 calories par jour, vous n'arrivez pas à prendre du poids. Eh bien, revoyez votre entraînement, peut-être que vous entraînez trop. La première des choses pour un hard gainer, c'est de réduire le volume de travail et augmenter l'intensité. Ça tombe très bien. Le full body, on a 3 séances par semaine. On est sur des exercices polyarticulaires, du lourd, du concret, pas d'exotique. Très bon pour les hard gainers. Pour qui également pour les personnes qui pratiquent un autre sport. Voilà, par exemple, je suis karatéka, j'aime bien la musculation. Je peux pas me permettre de m'octroyer 4 séances par semaine. Le full body, très très bien pour vous, hein, ça vous permet de faire votre sport à côté. Mais en plus, le côté exercice polyarticulaire, exercice de base, ça va non seulement vous apporter de la force, de la masse musculaire, si vous le désirez encore, hein, mais ça sera plus via la diète, mais ça aura un effet d'entraînement de séances fonctionnelles. Donc très très bien pour vous. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la musculation mais qui aiment ça, les amis, les aléas de la vie, le travail fait qu'on ne peut pas tous venir 6 fois par semaine. Vous aimez la musculation, vous ne pouvez pas venir souvent, sachez que vous pouvez quand même progresser les amis. Hein. Donc le full body, à partir de 2 séances par semaine, ça nous fait sollicitation de l'ensemble des groupes musculaires 2 fois par semaine. Progrès garanti. Donc pour vous, très très bon. Pour les seniors, les seniors, il ne faut pas les oublier. Eux aussi aiment la musculation. Moi, j'ai des clients seniors à qui je peux faire des full body. Et d'ailleurs, gardez en tête, ami senior, hein, qui est un peu récalcitrant envers la musculation, qui est un peu frileux. La musculation est d'autant plus importante pour les seniors parce que sachez que la musculation, le fait de travailler avec des résistances, avec des haltères, avec du poids, va renforcer votre structure osseuse. Ce renforcement de la structure osseuse qui va lutter tout naturellement contre l'ostéoporose, hein, la dégénérescence osseuse. Donc voilà. Très très bon pour vous. Et enfin, pour les personnes qui veulent perdre du poids, les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, les exercices vont être polyarticulaires, mobiliser un maximum de muscles, qui veut dire maximum de calories, qui seront consommées, mais également gros boost métabolique. Donc pour les personnes en diète, le full body, c'est que du bonheur. Donc voilà, on a vu le full body pour qui et pourquoi. En deuxième partie, je vais vous donner maintenant un exemple de séance prête à être effectuée. A tout de suite. Alors de retour pour cette deuxième partie, la partie durant laquelle je vais vous donner le programme à effectuer. Une petite omission de ma part lors de la précédente partie, hein, le full body est important aussi pour deux catégories de personnes, hein. Vous avez arrêté la musculation, vous avez fait une interruption de pratique, vous voulez reprendre, le full body est une parfaite remise en jambe, hein, les amis, hein. Et enfin, les confirmés, parce que les confirmés qui regardent la vidéo se disent « Ouais, c'est sympa, il fait une vidéo, il pense aux débutants, il pense éventuellement aux intermédiaires, mais pour nous, voilà, on apprend peut-être pas forcément beaucoup de choses. » Sachez les amis, hein, vous les confirmés, qu'il y a des versions de type full body beaucoup plus intenses. Hein. Je vous renvoie au Heavy Duty de Mike Metzger, au HST ou HIT d'Arthur Jones. Allez sur internet, voyez un petit peu, vous verrez, hein, ça reste sur une base full body beaucoup plus intense, donc beaucoup plus en adéquation avec votre niveau. Je ferai, hein, des vidéos sur chacun de ces types d'entraînements car je les ai toutes testées et certaines sont vraiment vraiment efficaces et assez inoubliables, croyez-moi. Donc voilà, donc désolé pour ces omissions. On revient donc au programme. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, on va choisir un exercice de base par groupe musculaire. Pour chaque exercice, nous effectuerons 3 séries. Fourchette de répétition, cette fois-ci, il n'y aura pas de fourchette. Hein. Vous ferez 10 répétitions par série. Temps de repos entre chaque série, 2 minutes. Exercice choisi pour les pectoraux, développé couché barre. Je tiens à signaler, avant de me lancer dans l'énumération des exercices, que tous les exercices que je vais citer
ont été traités hein, au niveau de la technique dans mes vidéos. Donc vous n'avez juste à aller, consulter la playlist si vous avez un trou de mémoire ou si vous n'êtes pas sûr de la technique d'un des exercices que je vais citer de suite. Donc je reprends le développé pour les pectoraux, donc exercice polyarticulaire, le développé couché barre. Si vous n'avez pas de barre, vous entraînez chez vous, le développé couché halter fera l'affaire. Pour le dos, personnellement, les tractions pour un débutant, si vous n'arrivez pas à les faire, dans ces cas-là, vous restez sur le tirage, poulie haute, prise large. Pour les jambes, le squat, le sempiternel squat, il est vraiment incontournable. Maintenant, si pour des raisons anatomiques ou si pour des raisons personnelles, vous n'aimez pas le squat, vous pouvez soit prendre le hack squat ou une presse inclinée. Ça fera l'affaire. Pour les épaules, développé militaire, menton, d'accord. Donc devant, hein, je ne veux surtout pas vous voir faire du développé nuque. Les épaules, la coque des rotateurs n'aimerait pas. Si vous n'avez pas de cadre guidé où vous entraînez chez vous, du développé halter, fera parfaitement l'affaire. Ischio-jambier, on sera sur du lying leg curl, donc lying leg curl allongé. Si vous n'avez pas accès à cette, si vous n'avez pas accès à une salle, le soulevé de terre, jambes tendues, halter fera parfaitement l'affaire. Triceps, barre au front, si vous avez un valgus, maintenant vous savez tous ce qu'est le valgus, vous n'avez aucune excuse. Si vous avez un valgus très prononcé que vous ne pouvez pas le faire, dans ces cas-là, des extensions poulie pronation ou des extensions poulie corde, un exercice qui sollicite les trois faisceaux des triceps sera tip-top. Biceps, curl bar ou éventuellement curl halter. Mollets, et ben les mollets on fera des extensions pointes, je l'ai fait automatiquement, extensions pointes. Et enfin pour les abdos, restez sur un bon crunch si vous n'avez pas accès à une salle. Sinon, vous faites du crunch poulie comme je l'ai fait, comme je l'ai démontré la technique dans une de mes vidéos. Donc voilà, un gros nota bene les amis. Concernant cette séance, ne travaillez pas jusqu'à l'échec. Ne travaillez pas jusqu'à l'échec. Car si vous travaillez jusqu'à l'échec sur chacune des séries, le temps de repos que vous allez vous allouer, hein, ne sera pas nécessaire, d'accord. Ne travaillez pas jusqu'à l'échec. Arrivez à une ou deux séries, une ou deux répétitions, quand vous sentez que ça va être un petit peu coton, posez, le travail il est fait. N'allez pas jusqu'au bout, sinon vous allez rentrer dans un surentraînement. Le full body, hein, certains le cataloguent comme un programme qui est un petit peu vraiment débutant. Ne le sous-estimez pas. Si vous poussez un petit peu loin vos capacités, vous allez voir qu'au niveau récupération, ça va être assez difficile. Rappelez-vous, vous sollicitez tout le corps. Donc, on ne travaille pas jusqu'à l'échec. La répartition des séances. Alors, la règle d'or, on ne fait jamais deux séances de suite. Hein, vous comprendrez bien, deux jours consécutifs. Gardez au minimum un jour de repos entre chaque séance. Personnellement, lundi, mercredi, vendredi en jour d'entraînement, le reste en repos. Et gardez bien en tête, s'il vous plaît, que c'est lorsque vous vous reposez que vous grossissez. Et n'essayez pas de rajouter des séries, des répétitions. Si vous travaillez avec l'intensité adéquate, je vous assure que vous n'en aurez pas besoin, vous n'aurez pas besoin de plus. Plus n'est pas synonyme de mieux, les amis. Gardez ça en tête. Je vous dis, moi, il m'a fallu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vous fais gagner du temps. Donc, voilà, videz votre verre, imprégnez-vous. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est l'expérience qui parle. D'accord ? Donc, plus n'est pas forcément synonyme de mieux. Donc, voilà. Encore une fois, hein, ce programme ainsi que l'exercice alternatif sera en description. Donc, je vous le rappelle, hein, 2 minutes de repos entre chaque série, 3 séries par groupe musculaire, 10 répétitions, 2 minutes de repos entre chaque série. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous allez tester ce programme. Hein. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire pour savoir, pour que je sache si ça vous a réussi. Eh bien écoutez, on se retrouve de suite pour la conclusion et le thème de la prochaine vidéo. A de suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Avant de vous dire au revoir, je tenais à vous remercier infiniment pour faire de la chaîne ce qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire une formidable, et je dis bien formidable, je ne mâche pas mes mots, une formidable communauté de passionnés et de partage. Et pour marquer le coup, hein, vous ne les avez jamais vus et je tiens à les remercier parce que
tout seul, je ne ferais pas, la chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Je tiens à remercier les membres de l'équipe que je vais appeler de suite. Je vais appeler Alexandra Gerber. Voilà, Alexandra, rapproche-toi un peu de moi. Voilà, Alexandra Gerber et Matt Michez. Donc je me recule un peu parce que c'est votre moment star. Voilà, je vais faire les présentations. Donc voilà, Alexandra Gerber. Alexandra Gerber qui est la caméra woman de la chaîne. Mais également, elle participe un petit peu au brainstorming concernant les thèmes abordés. Donc voilà, Alexandra dans la vie entre guillemets réelle est coach sportif et fitness model. D'ailleurs, je vous invite à la suivre, de la suivre sur sa page Facebook qui sera en lien dans la description de la vidéo. Est-ce que tu as deux mots à dire à nos abonnés, Alex? Oui, bah alors déjà, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être aussi nombreux chaque semaine à nous suivre et aussi pour tous vos messages de soutien, tous vos encouragements chaque semaine qui sont vraiment très chaleureux et qui nous motivent encore plus à donner notre maximum pour faire de super vidéos pour vous. Voilà, merci à tous et j'espère que l'aventure va continuer encore longtemps. Merci. Merci Alex. Et voilà donc Matt Michez. Matt Michez hein, qui s'occupe de tout ce qui est de toute la partie technique, le montage des vidéos. Donc Matt n'est pas professionnel dans le milieu sportif. Par contre, c'est un passionné et un pratiquant. Là, il porte un sweatshirt, mais je vous prie de croire que ses bras, c'est quelque chose. Donc voilà, merci Matt. Est-ce que tu as deux mots à dire à nos abonnés, Matt? Je voudrais vous remercier et puis dire que c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, Enzo. Je te remercie pour la collaboration. Et bon, c'est plus que. Voilà, t'es vraiment un ami. Donc je te remercie beaucoup pour tout ça. C'est vraiment une super expérience et puis de voir que ça fonctionne bien. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial pour tout le monde. Donc merci à tous, c'est très gentil de votre part. Merci Matt. Merci Matt, tu vas finir par me faire pleurer. Hein. Je porte du blanc, si je rougis, ça va se voir très très vite. Voilà les amis, hein. Il manque un membre de l'équipe hein, qui, pour un souci de situation géographique, n'est pas avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Robin Fernandez. Mon ami, tu regardes cette vidéo, donc Alexandra, Matt et moi, nous te remercions pour le travail que tu fais, pour ta gentillesse et ta sympathie et ton talent. Il faut savoir que Robin Fernandez s'occupe de tout ce qui est générique et effet After Effects. Enfin bref, t'es au top mon ami. Petit clin d'œil, je porte ton t-shirt. Merci encore de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Donc voilà les amis. Une conclusion qui est un peu plus longue, mais on tenait vraiment à vous remercier. Et on ne vous remerciera jamais assez. La semaine prochaine, on se retrouve, très très grosse vidéo, la semaine prochaine, on se retrouve en compagnie de Philippe Cartry et d'Alexandra Gerber pour une fac. Hein. On va répondre à un maximum de questions que vous nous avez posées. Et d'ailleurs, d'ici la semaine prochaine, continuez à nous envoyer sur nos pages Facebook des questions. On essaiera d'en sélectionner un maximum et d'y répondre le plus pertinemment possible. Donc voilà, vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucra. Je suis Alexandra Gerber. Je suis Matt Michez. À la semaine prochaine les amis. Bye bye, bye. Ciao. Bye.